Bonjour, je m'appelle Emilia, j'ai 11 ans. Depuis plus d'un an, je souffre de la maladie de Lyme. Et je ne suis pas seule dans cette situation. Nous sommes des milliers au Québec. La maladie de Lyme, c'est des douleurs constantes, souvent insupportables, partout dans notre corps. C'est des convulsions, des paralysies temporaires, des problèmes cardiaques, neurologiques, des problèmes de vision, des maux de tête et j'en passe. Cette douleur nous empêche de vivre, d'aller à l'école ou au travail et nous empêche même de dormir. Lyme bouleverse nos vies, nos familles et nos amis. Au Québec, il est impossible de recevoir un traitement. Pour moi, mes parents ont dû faire leurs propres recherches pour trouver le bon diagnostic à mes symptômes, car les médecins d'ici disaient que c'était dans ma tête. Pour me faire traiter, nous avons dû voyager à l'extérieur du Québec, ce qui entraîne d'énormes dépenses et ce n'est pas accessible à tout le monde. Les traitements durent des mois et même des années. Ils ne sont pas couverts par les assurances. Il faut que ça change. Avec le réchauffement climatique, les tiques sont partout au Québec. Il suffit d'aller dehors et de se faire piquer. Et comme moi, comme nous, votre vie va basculer.